Yo, la famille, comment allez-vous? J'espère que tout le monde se porte bien. Il faut dire ça encore, Yap sans le visionnaire. Et je suis encore de retour pour la partie 2. Voilà, donc nous sommes là pour la partie 2. Il petit faille rapidement que chacun d'entre vous va se faire pas mal d'argent parce que il faut dire que sur un isbet à tout moment. Les gars font des ils font des mises à jour. Du coup, vous allez constater que les mises à jour fait qu'il y a des failles qui disparaissent. Donc, ces différentes failles ne fonctionnent pas. Mais vous savez, quand tu veux, tu peux. Est-ce qu'on se comprend? Donc, à tout moment, on fait de nos mieux pour pouvoir vous trouver des failles qui fonctionnent, des failles qui peuvent vous permettre de pouvoir vous en sortir un peu mieux. Est-ce que vous comprenez? Voilà, même si ce n'est pas trop assez, je vais vous montrer un autre encore. Mais dans la vie, il faut risquer. Est-ce que vous comprenez? Qui ne risque rien n'a jamais rien. Si tu n'acceptes pas de risquer ce que tu n'es pas prêt pour gagner, est-ce que vous comprenez? Donc, nous allons partir d'abord dans résultat. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, dans le résultat, on va encore chercher, dans la barre de recherche, on va chercher FIFA. Maintenant qu'on va trouver FIFA, on va patienter un peu et je vais vous montrer la faille. Voilà. Donc, vous voyez, quand on met FIFA 20, 3x3, là-bas, il y a trop de buts. Mais ce n'est pas là-bas. FIFA Ligue Europa, ce n'est pas là. FIFA Liga et Championnat d'Italie, non. Penalty, il y a un faille là, mais ce n'est pas ça. Et voilà. Non, ici, ce n'est pas ça. Voilà. C'est FIFA 2020, Championnat d'Allemagne. C'est championnat d'Allemagne que nous avons besoin. Vous voyez? Donc, comment vous allez prendre les matchs? Vous devez beaucoup, 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 beaucoup analyser. Est-ce que vous comprenez? Si vous pouvez avoir une petite connexion, vous allez d'abord analyser les matchs. La plupart des matchs, ce sont des matchs que les gars ont choisi et ce sont des matchs qui jouent répétitifs. Ce sont des matchs qui reviennent. Est-ce que vous comprenez? Voilà, ce sont des matchs qui reviennent répétitifs. Est-ce que vous me comprenez? Voilà. Vous voyez Bayern ici contre Bayer 04. Ici, Union Berlin. Voilà, ici. Tu vois, quand c'est comme ça, voici Bayern ici qui croise ici, comment on appelle, qui croise Union Berlin. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est les mêmes équipes là, mais les gars ont sélectionné, ils savent comment ils ont planifié les choses. Toutes choses, c'est stratégie. Maintenant, ce que je vais vous montrer, si vous avez le temps, vous pouvez analyser les matchs pour prendre. Vous voyez, vous allez prendre toujours les deux équipes vont marquer. Vous voyez, 3-1. Et comment on appelle 2-1 3-0 et 3-0 1-1 1-2 1-2 2-3 2-1 et 1-1 et 6-1. Vous voyez, ce que je vais vous conseiller beaucoup, souvent quand il y a des croisements Bayern contre Union Berlin, faut savoir que qui pleut, qui neige, forcé, forcé. Il aura les deux équipes vont marquer. Ainsi que Hertha, BSC, Werder Bremen. Tout cela. Avec Utrecht, avec Werder Bremen. Si tout cela se croise, Berlin contre Hertha, BSC. Maintenant, Manchester, comment on appelle, Bayern Munich avec Bayer, souvent ceux-là ils déconnent. Souvent ceux-là ils déconnent.
parce que souvent il n'arrive pas à gagner Bayern. Donc du coup, il y a un problème à ce niveau-là. Donc si vous arrivez à maîtriser les matchs, voilà, à maîtriser les équipes qui font souvent des trucs, voilà, qui marquent entre eux, qui se marquent, voilà, tu vas prendre, on va aller pour voir les cotes ensemble. Et pour ne pas que la vidéo dure, on va aller voir les cotes rapidement. Rapidement, rapidement. Vous allez voir. C'est très, très simple. Ultra simple. Voilà. Ici, les gars, c'est marqué. Il faut maîtriser les équipes. Voilà. L'autre a joué passé. Voilà. Wunderbaum. Ici, là, c'est vraiment sûr que. C'est sûr que il aura deux buts dans le match. Est-ce que vous comprenez? C'est sûr qu'il aura deux buts dans le match. Parce que Wunderbaum risque de gagner ceux-là. Bon, attends, les codes vont afficher. Je n'ai pas dit. Voilà. Wunderbaum risque de gagner ceux-là. Maintenant, comme Fortuna est en domicile, eux, ils ne vont pas laisser Wunderbaum les gagner sans que eux, ils ne mettent un but. Est-ce que vous comprenez? Bien vrai que Wunderbaum va gagner le match. Ou soit, pour éviter aussi, vous pouvez prendre le V de Wunderbaum et puis vous venez prendre Yes de comment on appelle, Dortmund contre Head Trash. Est-ce que vous me comprenez? Voilà. Donc, si vous prenez comme ça, comme là-bas, ça a déjà commencé, et on va prendre ici. Ici, Dortmund, ici, les matchs, c'est très sûr, bien garanti que les gars vont faire, et comme on appelle, vous voyez, cote 1,64, les deux équipes vont forcément marquer. Donc, nous allons descendre un peu. Nous allons descendre un peu. Ici, c'est pareil. Mais là-bas, c'est un peu risqué. Voilà. Ceux-là. Là, ça risque de faire 2-2. Bayern contre ceux-là. Vous voyez, cote 1,69. Je vous assure, si vous jouez environ 2 heures, 3 heures, bien énorme. Mais si ça part de la journée et vous assis, il n'y a pas trop de cotes. Est-ce que vous me comprenez? Vous pouvez tester. Parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup testé. Est-ce que vous me comprenez? Voilà. Deux matchs seulement, ça fait un cote D7. Si tu choisis des matchs bien, bien, je t'assure, si tu te sacrifies même chaque 2 heures, tu trouves deux équipes et deux coupons bien rentrés. Imagine ce que ça peut donner. Donc c'est ça un peu. Voilà. Donc je vous remercie. Mais sans oublier, vous, ceux qui se sont pas encore abonnés à ma chaîne, abonnez-vous. Il y a beaucoup de choses qui arrivent encore. Voilà. Donc je vais laisser mon groupe Telegram dans la description. Plus j'aime ebook qui est là. Qu'il s'agit de comment on appelle comment il faut gagner ton pari sans perdre tout ça là, toutes les formations qu'il faut. Si tu as ça, tu n'as pas besoin de VIP. J'avais VIP, mais pour le moment j'ai bouclé parce que j'ai l'impression que il y a plein qui prend souvent mes coupons pour aller faire des trafics avec. Est-ce que vous me comprenez? Donc je préfère vendre souvent mes ebooks. Et avec ça facilite encore la situation. Donc, si c'est, je vous remercie beaucoup et merci bien, on a bientôt.